Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Pour la science, toute planète invisible qui créerait des perturbations sur d'autres planètes est appelée planète X. La communauté astronomique accepte largement que la planète X, telle qu'elle avait été envisagée initialement, n'est pas Nibiru. Nibiru n'existe pas. La NASA qualifie même cette théorie de totalement non scientifique et absurde. Cette vidéo est le deuxième épisode du documentaire didactique Planète X et le désordre mondial. Le premier présente les deux messages envoyés par les Anunnaki fin 2015, des personnes qui arrivent de partout dans le monde et affluent dans un tout petit village où l'on voit beaucoup d'UFO, à Bugarach, dans les montagnes cathares françaises, et qui sont prêtes à embarquer sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres. L'introduction de la planète 9, ainsi que les conséquences géomagnétiques et climatiques sur Terre. Le deuxième épisode rappelle les hypothèses de Zecharia Sitchin et d'Ayumin Zakharovitch et l'impact de cette hypothétique planète sur la trajectoire du pôle Nord magnétique et sur la guerre en Ukraine en 2022. Et dans le troisième épisode, je révélerai plusieurs conversations que j'ai eues avec mes contacts extraterrestres le 1er décembre 2016, un an après les deux premiers messages des Anunnaki. L'origine du mythe de Nibiru a sa source dans les écrits de deux chercheurs, principalement, tous les deux russes, Zecharia Sitchin dans les années 1960 et Domian Zakharovitch ces 10 dernières années. En 1976, dans son livre « La 12e planète », Zecharia Sitchin expose l'hypothèse fondée sur son travail et la traduction personnelle de tablettes cunéiformes sumériennes que l'humanité a été créée par les Anunnaki qui seraient des extraterrestres venus sur Terre pendant la préhistoire. Les Anunnaki, d'après Sitchin, auraient créé l'Homo sapiens en croisant leurs propres gènes avec ceux de l'Homo erectus pour ensuite l'utiliser comme esclave pour l'extraction de matières premières, principalement de l'or, nécessaire à la protection de l'atmosphère, alors en danger, et de leur propre planète Nibiru. Sitchin avança l'hypothèse qu'une ancienne légende, l'épopée de la création, découverte dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, ne décrit pas des combats célestes symboliques opposant les divinités, mais des faits astronomiques réels, chaque divinité représentant une planète. Ce faisant, il remarqua qu'une planète inconnue était mentionnée en tant que Tiamat. Il affirma qu'une collision de Tiamat et une planète satellite de Nibiru, aussi nommée Marduk, engendra la Terre et la ceinture d'astéroïdes. Suivant l'orbite elliptique de Nibiru, la planète ne passerait au voisinage de la Terre que tous les 3600 ans.
causant à chaque fois d'importantes perturbations et destructions, une combinaison de facteurs aux effets dramatiques, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, basculement de l'axe des pôles, terres englouties, changements climatiques, disparition de certaines espèces animales, végétales et communautés humaines. Le 27 novembre 2016, alors que j'étais en contact direct et quotidien depuis 8 mois avec un équipage extraterrestre stationné sur un vaisseau spatial, caché derrière la Lune, l'astéroïde WF-9, d'environ 400 mètres de diamètre, fut découvert par NEOWISE, le télescope spatial de la NASA, et les astrophysiciens avaient calculé qu'il traverserait en février 2017 le système solaire, mais à son point le plus proche de la Terre, il ne se trouverait qu'à 53 millions de kilomètres. Et effectivement, lorsque la date arriva, il était toujours à une distance respectueuse. Fort de l'attention qui était portée à cet astéroïde, l'astrophysicien russe Dyomin Zakharovitch en profita pour prédire qu'un astéroïde allait s'écraser sur la Terre le 16 février 2017, créant un méga tsunami et des changements mortels irréversibles. Zakharovitch révéla que les astronomes de la station russe de recherche Vostok en Antarctique, qui menait une étude de routine sur l'existence d'une planète X, en trouvèrent une avec un système de 7 lunes. Il ajouta qu'il savait que cette planète X a une queue de débris enflammés des millions d'astéroïdes et que ces débris seraient projetés vers la Terre, car il y avait 83% de chances que la planète inconnue traverse le système solaire. Les gens lèveront les yeux vers le ciel et verront les débris enflammés pleuvoir sur eux, a déclaré Zakharovitch. Or, n'est-ce pas ce qui est en train de se produire de nos jours ? N'est-ce pas la trace de la poussière ferrugineuse de la planète X que l'on voit s'accumuler dans l'atmosphère terrestre? En outre, sa masse à proximité de la Terre, à 10 millions de kilomètres, a déclaré Zakharovitch, créera des changements polaires géomagnétiques. Voici des photos prise alors que Nibiru se rapproche de la Terre. Sa proximité implique des transformations cosmiques importantes. Une partie des événements climatiques dont nous sommes les témoins serait due au fait que la Terre est déjà dans sa zone d'attraction gravitationnelle. Les conséquences sont le réveil de nombreux volcans, une plus grande amplitude de mouvement des plaques tectoniques et de fréquents tremblements de terre. La poussière et la tempête de sable créées par les débris de la soi-disant planète X ont coloré la ville d'Aleppo en Syrie en orange, où le ciel de New York, d'Indonésie, d'Australie ou de Chine. Des tsunamis de force de plus en plus importante sont à prévoir, ainsi que la disparition de grandes zones côtières dans tous les pays, ainsi que l'engloutissement de zones habitées.
les marées s'écouleront vers l'intérieur des terres, par exemple en Finlande et en Lituanie depuis l'Arctique, d'ici à 2024-2025. La montée des eaux atteindra 200 mètres et les survivants nageront sur des kilomètres dans les eaux montantes sous un ciel nuageux pour rejoindre les terres élevées ou le haut des montagnes, des parties de continents, voire des îles entières seront complètement submergées par l'eau, comme lors du déluge et la disparition de l'Atlantide et de Mu. Revenons au déplacement du pôle nord magnétique. Nous voyons sur cette image à gauche la position du pôle nord magnétique par rapport au pôle nord géographique. C'était en 1950. Et sur le graphique de droite, la trajectoire du pôle nord magnétique. C'est le chinois Shen Kuo, un scientifique polymathe et fonctionnaire gouvernemental sous la dynastie Song, qui découvrit le nord magnétique au XIe siècle. Homme d'esprit universel, il fut un inventeur prolifique qui décrivit de nouveaux outils et instruments tels que le compas à aiguille magnétique, le télescope, l'écluse à pois et la chambre noire. Il participa aux recherches astronomiques de son époque par ses travaux sur le vrai nord. En Occident, la recherche du pôle nord magnétique a commencé en 1818 avec une expédition britannique et en 1831, Sir James Clark Ross, un explorateur polaire et un naturaliste britannique qui a exploré l'Arctique, situa le pôle nord magnétique pour la première fois sur la côte ouest de l'archipel arctique. Près de 200 ans plus tard, ce point errant a parcouru plus de 1100 km. Il a suivi une ligne nord-nord-ouest et il se trouve aujourd'hui en plein océan arctique vers la Sibérie. Voici donc que Nibiru entre de nos jours dans le cadre de ce contexte de plusieurs manières. D'une part, sa présence exacerbe le magnétisme de la Terre et influence ce déplacement, poussant la vitesse du pôle, sa trajectoire et sa puissance. En voici un exemple. Et en voici un autre. Il s'agit d'un halo solaire. Lors d'une éruption solaire, plusieurs phénomènes plus ou moins marqués peuvent avoir lieu, tels que une augmentation soudaine du flux lumineux, l'éjection d'une grande quantité de plasma solaire vers l'espace interplanétaire, l'accélération de faisceaux de particules à des vitesses élevées. Ces halos sont de plus en plus larges, ce qui signifie que le champ géomagnétique devient de plus en plus faible, probablement à cause de la présence de Nibiru. L'effet de pôle magnétique du cercle polaire arctique se déplace à grande vitesse sur une vaste zone et atteint maintenant la Turquie et Istanbul. Les effets géomagnétiques induits par la présence de Nibiru exacerbent aussi les tensions entre les nations. Du coup, les bases militaires américaines se multiplient en Grèce depuis juin 2022
tout comme les manifestations qui s'y opposent, car une grande partie des Grecs sont hostiles vis-à-vis de ces installations, dont la plupart ont été chassés du pays dans les années 1980, et ils estiment que l'OTAN est en partie responsable de la guerre en Ukraine. L'Iran attend que la flotte russe de la mer Noire quitte le détroit du Bosphore en Turquie. L'Iran attaquera la Syrie avec la marine russe d'est en ouest, puis Israël au sud. Si cette série d'opérations militaires réussit, la possibilité existe qu'elle déclenche là aussi une guerre nucléaire. Si la Russie absorbe la Turquie dans le jeu de poker Kissinger-Soros, la zone d'exclusion aérienne privera les pauvres d'Europe et d'Amérique de leurs chances de survie. La Russie, augmentée de la Turquie et d'une partie de l'Ukraine, aura beaucoup moins à craindre, d'autant qu'elle a liquidé la quasi-totalité de sa dette américaine, tout en se dédollarisant et en réduisant ses avoirs et en achetant des quantités considérables d'or. Les temps sont en train de changer de manière radicale. Vous le voyez bien de vos propres yeux. Vu la situation planétaire et toutes les transformations dont nous sommes au mieux les témoins distants, au pire, les victimes en danger. Et même si je ne veux pas tomber dans le catastrophisme, ni la fin du monde, de manière très pragmatique, je vous conseille vivement de vous préparer. Ayez suffisamment d'eau, de vêtements, de protection et une réserve alimentaire en amont des crises pour faire face à tout ce qui pourrait se produire, que ce soit majeur ou mineur. Et si rien ne se produit, ce que nous espérons tous, bien sûr, vous ferez des économies en achetant les produits maintenant, car ils vont continuer à manquer et les prix ne cesseront d'augmenter. Si vous le pouvez, apprenez également à faire pousser vos légumes dans un jardin ou dans des jardinières sur votre balcon. Ne serait-ce que des laitues ou des tomates qui poussent facilement, car ce qui manquera, ce n'est pas les boîtes de conserve que vous pouvez acheter, mais des choses vivantes, donc de la verdure, des fruits, des légumes, etc. Que la planète X existe ou non, que les catastrophes planétaires soient dues à sa présence ou non, ou à des manipulations climatiques artificielles comme les chemtrails, les épandages chimiques ou les stations ARP, ou encore à des cycles naturels de la planète au fil de sa vie de planète, indépendamment de celle des terriens. Le plus important maintenant, ce n'est pas d'essayer de clarifier ces points, puisque vous n'en avez pas les moyens. Vous n'êtes pas encore dans l'espace vous-même pour aller vérifier tous ces éléments de vos propres yeux. Le plus important actuellement, c'est de faire le point sur votre réalité à vous, votre vie quotidienne et votre environnement. Essayez de sous-peser les risques éventuels auxquels vous pourriez être confronté et apportez-y une ou des solutions. Par exemple, si vous habitez au pied d'un petit ruisseau ou d'un petit torrent qui ne fait que 30 cm de haut l'été, sachez qu'après des pluies torrentielles pendant plusieurs jours, la hauteur sera considérablement plus élevée de plusieurs mètres. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Si c'est le cas, je vous conseille de faire comme moi,
déménager rapidement parce que les choses ne vont pas s'améliorer. Si vous n'êtes pas dans cette situation, évaluez quand même vos risques en termes d'impact par l'eau, le vent, les glissements de terrain, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Si vous ne savez pas le faire, ou si votre âge ou vos capacités physiques ne vous le permettent pas, faites appel à un technicien. Il y a de petites sociétés pas trop chères qui peuvent le faire pour vous. Et si vous estimez que tout est sous contrôle et que votre stock de survie et votre petit jardin se développent bien, et si vous sentez profondément en vous que vous êtes là où vous devez être et nulle part ailleurs, et que vous y sentez vraiment bien, alors il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Méditez et soyez heureux, parce que le but de la vie, c'est l'eudaimonie, c'est-à-dire être heureux. Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je vous retrouve d'ici quelques instants pour le troisième et dernier épisode. Je suis Tim. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.